producción de Banco Comercio Nacional, mesdames et messieurs de Banco Comercio Nacional de Juan, mesdames et messieurs de Banco Comercio Nacional de Juan, mesdames et messieurs de Banco Comercio Nacional de Juan, mesdames et messieurs de Banco Comercio Nacional de Juan, mesdames et messieurs de Banco Comercio Nacional de Juan, mesdames et messieurs de Banco Comercio Nacional de chers méthodes et chers du jour. Permettez-moi de commencer mon allocution par une phrase qui est la suivante. Un jour, alors que le prophète Jésus se promenait, il est venu trouver un aveugle qui pleurait à chaud larmes. Il est venu trouver l'aveugle qui lui a dit: mais, cher père, pourquoi tu pleures? La terre lui répond: je veux voir être touché dans le vent, je ne vois pas. Naturellement, je suis touché à la tête et la terre va retrouver sa vie. Je suis continué sur son chemin et il va trouver un pétard, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé des quatre mains, qui pleure également. Je suis demandé à monsieur, pourquoi tu pleures? Il dit: je veux le suivre, mais je n'ai pas de marbre. Évidemment, je suis le couchant et le couvert nous a dit ses âmes. Il est trouvé un troisième qui est assis et qui pleurait vraiment un cheval. Il demande au monsieur: monsieur, pourquoi pleurez-vous? Le monsieur répond: je suis né. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il s'est assis à côté du jeune et il s'est appelé lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il sait que le calendrier est compliqué. Et ce dernier n'était pas à réalité comme ça se voulait, c'était pour chaque humain. Mais pour chaque humain, on ne les comprendra jamais. Je raconte cette phrase, monsieur le président, parce que vous, pour ce que vous avez fait pour la vie, et ce que vous pouvez encore apporter à cette nation, aucune logique ne vous permettra de comprendre pourquoi ce acharnement contre votre personne. Monsieur le Président, en 2010, alors que le pays était au point d'une bien souvent, vous l'avez sauvé grâce à votre sacrifice et votre sens de responsabilité. En retour, le Seigneur Fakonde nous a servi du sang et des mains. Alors que toutes les institutions étaient informées et que la plupart des leaders avaient appliqué une puissance pour qu'on abandonne le peuple de l'Union à son propre sort, vous avez lutté au prix de votre vie et de celle de vos militants. Encore pour sauver la démocratie. Le 5 septembre 2021, alors que la chaîne était à la tête d'une légitimité, vous avez été l'un des tout premiers soutiens à celle-ci. Et 5 mois après, on commence à vous servir injustice, spoliation et tentative d'exclusion. Mais ça, c'est mal connaître le peuple de Guinée en général et l'UFPG et ses militants en particulier qui ont résisté pendant 11 ans. Qui ont résisté pendant 11 ans. Et qui vous donne encore aussi longtemps que nécessaire. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, le Comité national des jeunes, le MSDG, a fait une tournée dans les différentes fédérations des apprentis pour échanger avec les jeunes à la base. La tournée avait pour but de démobiliser, sensibiliser les militants à se préparer pour les choses futures. Mais aussi pour demander d'accompagner la transition qui est en réalité l'heure
papiers pour réaliser là, ils ont perdu des centaines d'amis et frères. D'autres jeunes sont handicapés en vie dans la lutte contre l'exclusion, mais aussi pour la justice et pour l'instauration de démocratie vraie. Nous vous rappelle donc à ce titre, il demeure les véritables sentinelles de la transition qui doit aboutir dans un délai raisonnable à une élection libre, transparente et inclusive. Il est donc hors de question de faire tous ces sacrifices pour rien. Les jeunes de charge de l'Ouvrir de son président, qu'ils sont prêts et attendent le vote de la direction nationale en cas d'injustice de quelque nature que ce soit. Thank you.